Et j'avais bien montré, j'avais montré, souvenez-vous, sur 2007, il y a plusieurs définitions. Il y a même plusieurs définitions sur 2016. J'avais montré les définitions sur 2007 et j'avais montré aussi sur 2016. Et que j'ai montré que c'est sur 2007 a eu l'arrivée du monde Horus. Là, on parle de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à l'univers. L'arrivée du monde Horus sur 2007, et que j'ai montré que c'est sur l'année 2007 que là, que Jésus avec S s'est levé contre Patricia exactement sur le mois de mars, mars 2007, et que c'est sur 2007 que Patricia a su sur le nombre 9, mais elle a subi des attaques par les reptiliens, par les religieux, et elle a subi des attaques par Jésus. Donc, bien sûr, Jésus avec S. Et j'ai montré la preuve sur ça. Et j'ai montré qu'il y a plusieurs définitions aussi sur 2016. Mais il faut comprendre, souvenez-vous que j'avais montré ça. 2007 définit vérité contre Christ. Parce que ce 2007 et ce 2016 est très important. Et que comme j'ai expliqué à vous de la lumière, on a la preuve absolue que 2007 et 2016 définit le jugement de Dieu. Ça parle du jugement de Dieu, 2007 et 2016. Mais il faut comprendre, souvenez-vous que j'ai expliqué de tout ce qu'ils ont dit, les Mayas. Parce que les Mayas, ils ont menti, les Mayas, les Indiens. Ils ont fait croire que soi-disant que c'est eux qui feraient la fin du monde. On vous a même parlé de 2012. Souvenez-vous de ça. Tout ça est faux. Tout ça est faux parce qu'il faut revenir sur 2007. Et il faut comprendre de ce qui s'est passé sur 2016, sur le mois de septembre. Le calendrier Vénus, de Mère Vénus, sur 2016. Et c'est sur 2016 que Patricia a eu la révélation de la table 9, la gématrie de Dieu. Donc c'est ça qui vous trahit, les religieux du Christ. 2007 définit vérité contre Christ. Bien sûr, il y a plusieurs définitions. Mais je vous montre ça parce que ça, c'est très important. 2016 définit vérité contre Christ. Parce que ce monde-là, donc eux, les religieux du Christ, ils se fient de ce qu'ils voient là, ici. Donc on voit l'enfer du Christ. Il faut comprendre, donc on voit sur la justice de Dieu, on voit sur la justice du monde Horus, on voit il y a des séismes et des volcans. On en a preuve sur ça parce que j'ai montré que les volcans, c'est Dieu existe et c'est Dieu qui font les volcans, de tout ce qu'on voit. Il y a les tornades, il y a des ouragans, la montée des eaux, de tout ce qu'on voit. Mais il faut comprendre que eux ne voient pas ce qui se passe au monde invisible. Parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup, même pendant que je vous parle là. Même en France, même sous décembre 2019, même on revient en arrière, il se passe beaucoup. Il s'en passe beaucoup de l'autre côté. Bien sûr, de l'autre côté, il faut comprendre de ce qu'on dit au monde invisible. Donc, eux, ils ne voient pas. Ils ne voient pas sur le monde invisible. Vous avez compris sur ça. Mais là, il faut comprendre, là, on voit sur le monde visible. Donc là, de ce qu'on voit, de ce qu'on vous dit, la montée des eaux, séismes, les volcans. Mais il faut comprendre, de l'autre côté, il y a la justice de Dieu contre les reptiliens. Il y a des reptiliens qui ont été tués par Dieu. Donc il faut comprendre sur ça. Mais il faut comprendre que j'ai montré sur 2007 et 2016. Et c'est ça qui les trahit. Parce que comme j'ai expliqué et j'ai montré la preuve sur ça, que Marduk est bloqué. Les reptiliens, ils sont bloqués. Parce qu'en écrivant des mots, on a constaté que Jésus avec S ne peut pas mettre 2020, ne peut pas mettre 2018, ne peut pas mettre 2017, ne peut pas mettre sur les années. Que quand on écrit des mots, et on voit toujours 2007 et 2016. Parce que pourquoi? Parce que c'est le jugement de Dieu. Ça définit le jugement fatal de Dieu. Donc quand ils disent, oui, de ces 2020, on avait bien dit 2020. Mais c'est du n'importe quoi. Patricia, elle a montré de ce qui s'est passé sur 2007 hein, et sur 2016. Hein, et qui joint dans l'ensemble de tout ce qu'on voit là, sur 2020. Parce que 2020 définit l'âge de la vérité de Dieu.
que vous êtes entré dans l'âge de la vérité de Dieu. Donc, la bataille finale, la phase fatale, la phase finale. Ça fait depuis un moment qu'il y a la fin. Mais il faut comprendre que vous vous fiez que ce que vous voyez au monde visible. Mais il faut comprendre que de l'autre côté, au monde invisible, il s'en passe beaucoup. Et tous les jours, il y a la justice de Dieu contre les reptiliens. C'est ça qu'il faut comprendre.